tous et bienvenue dans ce tout premier studio vlog. Donc qu'est-ce que le studio vlog? Pour ma part, alors j'ai vu plein de vidéos sur le sujet. Il y en a, ils font leur... c'est comme un vlog en fait, sauf qu'ils appellent ça un studio vlog. Dans les miens en tout cas, ça consistera à vous montrer mes journées dans l'atelier et ce que j'y fais. Alors vous allez me dire, oui mais tu le montres déjà dans tes vlogs. C'est vrai, puisque je passe 3/4 de mon temps ici, mais on rentre pas forcément dans le détail. Alors que là, ça va vraiment récapituler ce que j'ai fait sur certaines journées. Donc à chaque fois, je vous noterai les journées. Et ce sera vraiment spécifique à ce que je fais ici dans l'atelier. Que ce soit du tuto, que ce soit des commandes pour le site internet, etc. Des nouvelles choses. Tout ça, ça sera dans ces vlogs-là, donc dans les studio vlogs. Les studio vlogs sortiront les mercredis ou les samedis. Ça dépend de ce que j'ai à vous proposer. Et ça dépendra, en fait, la journée dépendra de s'il y a un tuto ou non cette semaine-là. S'il y a un tuto, les tutos sortent le mercredi, donc le studio vlog sera le samedi. Et à l'inverse, s'il n'y a pas de tuto, ça sera le mercredi. En ce qui concerne le tuto, justement, ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de tuto, de DIY, etc. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est très compliqué. Ma santé ces dernières semaines n'était pas forcément au top. Là, ça va mieux. Mais j'ai aussi d'autres choses à faire à côté que je dois privilégier. Donc, je suis obligée de faire un choix. Et j'ai pas forcément beaucoup d'inspiration. Donc, je pense que les tutos reviendront la semaine prochaine. Voilà. Donc aujourd'hui j'ai pas mal de choses à faire, je pense pas les faire sur la journée entière, mais sur aujourd'hui et demain, je verrai bien en fait, ça va dépendre du contenu de ce studio vlog, je veux pas que ce soit forcément trop long non plus, plus de 15 minutes, je pense que c'est un peu rébarbataire, je préfère vous en proposer plus souvent, mais de 15 minutes à peu près, plutôt que vous en proposer un de 30 minutes sur lequel vous endormez avant la fin. Donc aujourd'hui j'ai pas mal, comme je vous ai dit, de choses à faire, j'ai notamment une commande à faire, et à finir aujourd'hui, mais ça devrait le faire. J'ai quelques designs à faire pour la boutique, donc la boutique qui n'est pas encore en ligne, je vous le dis, mais vous le saurez dans un studio vlog, on se le saura de toute façon, ça devrait pas tarder, il me reste quelques petits réglages à faire, mais je peux pas les faire sans Raph, parce que j'ai trop peur de me planter. Pour ceux qui ont suivi mes vlogs, vous connaissez mes dernières mésaventures, et depuis... Je n'ose plus rien installer et je n'ose même plus faire une mise à jour sans Raph. Parce que s'il m'arrive un pépin, je ne sais pas revenir en arrière moi, c'est lui qui fait. Donc c'est le soir mais Raph travaille toute la journée. Donc le soir il n'a pas forcément la tête à ça, il n'a pas forcément envie et je le comprends. Donc un petit peu de patience, ça ne devrait plus tarder. Ceci étant, ça ne m'empêche pas de travailler déjà sur des prochains projets. Voilà. Donc j'ai ça à faire, la commande, finir une illustration que j'ai commencé ce matin, oui, parce qu'en fait j'étais pas dans l'idée de faire un studio vlog aujourd'hui, puis je me suis dit mais t'es bête, tu passes la journée ici, donc autant leur faire un studio vlog plutôt qu'un vlog, sachant que dans le vlog tu vas rien leur montrer. Est-ce que vous comprenez? Du coup ça sera ça, si j'ai le temps, j'ai quelques photos à faire, je dis bien si j'ai le temps, et puis ça sera déjà pas mal, voilà, un petit peu le programme de la journée, donc écoutez, hein, Je vous emmène avec moi. Bon, maintenant que j'ai découpé tous mes petits tissus, je vais les repasser à Rome les coudes parce que mon tissu était complètement chiffonné, entre guillemets. Donc pour avoir une couture plus sûre, un petit coup de repassage. Donc c'est parti. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez précaire. Je ne sors pas ma table à repasser tout le temps parce que ce serait beaucoup trop encombrant. Donc moi, je mets juste une petite serviette. Et voilà, maintenant on va passer à l'assemblage.
Bon, il est fini. J'aurai plus qu'à leur passer. Et là, je vais mettre les pressions. Oui, il m'en reste là. Alors, mâle, femelle. Hop. C'est la même. Voilà. Voilà pourquoi je le repasse qu'à la fin, parce que avec ma machine. Et voilà, maintenant on va repasser ça. Bon, j'ai fini le protège fer et santé. Bon, ça c'est un petit peu d'eau de du fer. Il est trop beau, petit cactus. Et demain je vous retrouverai, on fera la personnalisation. Donc pour un petit Malo qui vient de naître d'ailleurs, en parlant de ça. Voilà, donc ça va être tout pour la couture aujourd'hui. Là je vais aller chercher mes enfants à l'école. Normalement il devrait pas tarder. C'est ça, il est 16h, donc dans 15 minutes, le temps de ranger tout ça et de me changer, parce que autant vous dire qu'avec le temps qu'il fait dehors et se faire à repasser, j'ai très chaud. Donc je vais faire ça. Je vais donc les chercher à l'école. Donc ça sera dans le vlog. Ça n'a rien à voir dans le studio vlog. Et puis je verrai si je vous reprends un peu plus tard pour finir une illustration, ou si je reprends avec vous demain. Ça dépendra tout simplement de mon programme. J'aurais dû commencer ce vlog atelier beaucoup plus tôt, parce que ce matin j'ai fait pas mal d'illustrations dans le bureau, quoi. Et j'ai pas pensé du tout. C'est là en début d'après-midi que je me suis dit, mais pourquoi tu les prends pas? Donc écoutez, hein, au fur et à mesure du temps, les vlogs ateliers seront un peu plus complets et plus organisés surtout. Là c'est un premier, je sais pas trop comment m'y prendre, sachant que je vlog en même temps. Donc il faut que j'arrive à dissocier les deux choses, sinon c'est vite le bazar. Donc écoutez, hein, je vous dis à plus tard. Salut à tous, on est le lendemain et aujourd'hui je travaille sur ça. Donc j'aime beaucoup. Depuis que je l'ai, j'ai du mal à ne pas en faire. J'en fais au moins tous les jours. Donc ça c'est ma tablette graphique, la XP Pen Pro 22. Je remettrai le lien participer sur la formation si vous voulez. Franchement, par rapport au prix qu'elle vaut et comparé au Wacom et compagnie, il n'y a pas photo, quoi. Donc moi je voulais un iPad à la base, parce que l'iPad Pro, je voyais beaucoup d'illustratrices qui faisaient des choses dessus. C'était français, ça? Bref. Et ça coûte un bras, deux jambes et deux reins. Et en plus de ça, moi je travaille sous Windows. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué, parce qu'après, pour retransférer les dossiers, etc., c'est compliqué. Donc j'aurais pu les laisser dans l'iPad, mais je pense pas que l'iPad a suffisamment de capacité pour avoir autant de fichiers que ce que moi j'ai. Donc du coup, Raph m'a trouvé celle-ci, elle a de très bons avis et franchement, elle est excellente. Excellente, excellente. Et comme vous pouvez le voir, moi c'est une 22 pouces, donc elle me sert d'écran d'ordinateur. Donc normalement, elle est censée aller à cette place-là. Ça, c'est mon écran principal. Avant, j'avais deux écrans, donc l'autre écran, était celui qui était ici, était très très vieux, donc on l'a enlevé puisqu'on j'en ai plus besoin. Celui-ci, normalement, c'est mon écran qui vient là. Le problème, c'est que le câble HDMI est trop court, donc je peux pas la mettre à l'autre bout. Donc en attendant qu'on en rachète un, je l'ai mis là. C'est pas forcément très pratique, parce que d'ailleurs il faut que je bouge mon clavier, enfin voilà, c'est toute une organisation. Donc là j'ai mon grand espace avec mon tapis et ma souris, et du coup quand je travaille, eh bien je fais comme ça, je fais comme ça. Ma souris je m'en sers pas puisque j'ai mon stylet, et celle-ci je l'avance et je la baisse. Donc moi je la mets en position comme ça. Un petit point négatif, c'est qu'elle n'a pas d'écran de filtre anti-reflet. Donc en fait, quand vous avez une lumière au plafond, bah vous avez la lumière, mais ça peut s'acheter séparément. Après, c'est vrai que c'est rare quand je travaille avec une lumière, peut-être le soir, mais sinon... Donc là, on a le stylo qui se charge ici en USB, mais la charge, elle dure très longtemps. Donc moi, il est toujours branché, mon câble, comme ça, si j'ai besoin, j'en ai un autre que j'ai eu en cadeau dans la boîte. Donc c'est très pratique. Et donc, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais de plus près. Voilà. Donc là, on est sur une planche où je fais des brins de lavande. Donc ceux-là sont quasiment finis et j'ai encore cela à faire. Donc j'ai laissé cela volontaire comme ça pour vous montrer un petit peu
comment je fais. Donc sur le côté, bah, vous n'allez pas voir, mais j'ai des petits calques. Donc j'ai une page blanche et un calque. Donc je garde toujours la page blanche que j'enlève à la fin. Mais là, je la laisse parce que ça me permet d'avoir un fond blanc et je vois mieux ce que je fais que quand j'ai un fond PNG, vous savez, comme ça quoi. Donc je mets mon fond blanc, je me mets sur mon calque et là je vais pouvoir venir bouger déjà ma chose. Donc si vous voyez ici, j'ai fait mes échantillons de couleurs. Donc à chaque fois que je prépare une planche comme ça, je choisis mes couleurs sur mon nuancier et je les mets toutes en fait ici. Je les effacerai à la fin, mais ça me permet d'avoir toujours les mêmes couleurs sur chacun des designs que je fais. Donc là, dans un premier temps, je vais vous montrer ce que c'est. Hop, donc ça c'est directement un raccourci avec le stylo. Donc là je vais agrandir, je pense que là vous allez bien voir. Voilà, donc si vous voyez ici, ils sont déjà presque faits. Quand je commence mon dessin, je croquis comme ça, c'est à dire que je vais faire mes fleurs, donc le fond toujours, je fais toujours le fond le plus clair en premier. Donc je fais mes petites gouttes de lavande, c'est très très brouillon et croquis dans un premier temps. Et ensuite je vais venir travailler tout ça. Donc là j'ai déjà fait toutes mes premières couleurs, donc je vais passer à la deuxième. Donc je commence par mes violets, donc je clique sur la seconde couleur. Je vais vite fait redescendre un petit peu pour que vous voyez mieux, peut-être comme ça, voilà. Je sélectionne mon pinceau, pareil pour le pinceau, je prends toujours le même, donc le brush aquarelle, enfin en tout cas pour cette planche là, je prends toujours les mêmes choses. Ensuite en haut, je vais pouvoir régler la taille, vous voyez mon point là, non vous allez pas voir, si je le mets là, vous allez voir, il est hyper gros. Donc ça c'est la taille de mon pinceau, donc je la réduis en haut. Donc là j'ai fait mes fonds, maintenant je vais venir faire un petit peu je vais accentuer un peu mes contours. Donc en fait je refais les mêmes formes que j'ai fait, mais en faisant des petites voilà, des petites hachures, histoire de plus délimiter les bords. Voilà, que ça fasse plus des petits pétales individuels. Donc je fais ça partout. Voilà, maintenant que j'ai fait cette couleur là, je passe encore à un violet plus foncé. Hop, et je me cogne partout. Je reprends mon outil pinceau. Et là par contre, je vais plus faire des traits. Alors faut faire attention parce que des fois il y a en fait quand on fait deux fois comme ça, ça nous, ou deux fois vers le haut, ça descend ou ça monte le calque, mais le problème c'est que ça a tendance à nous induire en erreur. Donc ça c'est un raccourci que j'ai pas enlevé, il faut que je pense à le faire. Ça permet d'avoir différentes nuances en fait dans mes pétales, tout simplement. Et je finis par la plus foncée. Je prends ma pipette, je sélectionne, je replace. Donc j'étais bien. Et là par contre je vais baisser un petit peu la taille parce que là en fait ça va nous permettre de faire des... Ah j'avais pas fait celui-là. De faire des traits un peu plus fins. Donc à la fin, je reviendrai avec mon estompeur pour venir un petit peu adoucir tous ces traits. Mais bon, on peut toujours revenir, donc c'est ça qui est bien. S'il y en a une qui me plaît pas parce que, je sais pas, moi j'ai trop marqué, bah en fait j'en mets une autre couleur dessus et on n'en parle plus quoi. Donc la tablette graphique c'est vachement bien parce que le seul outil que vous avez c'est ça. Pas besoin d'avoir des aquarelles, mille et un pinceau, à vous en mettre partout. Moi j'aime beaucoup. Après c'est sûr que ça ne vaut pas une aquarelle, hein. C'est différent, là on est plus sur... Donc
en fait, je vais faire ça pour mes fleurs et après je vais faire ça pour mes feuilles. Donc vous voyez, au début, j'ai vraiment fait des traits grossiers pour représenter les feuilles et les fleurs. Et après, je reviens sur chacun des éléments pour venir les peaufiner un petit peu. Donc je fais tout ça et je vous retrouve un peu plus tard. Donc là, j'ai fait tous mes dessins, j'ai fait tous les contrastes et tout. Maintenant, je vais juste venir prendre mon estompeur. Donc je peux faire un clic droit, il est là. Et on va un peu estomper tout ça. Donc je prends pas un pinceau trop gros, histoire de fondre un petit peu les traits. J'ai des traits qui sont un peu plus marqués. Du coup, bah, j'aime bien. Après, ça dépend du dessin que vous voulez. Mais je trouve que ça fait quelque chose d'un peu plus fondu en fait. Donc maintenant que j'ai tout fait, donc je vous montre de plus loin. Donc voilà la planche. On va venir effacer ces couleurs-là, puisqu'on n'en a plus besoin. Hop. On va supprimer la page blanche. Et maintenant, on va pouvoir enregistrer ça en PNG. Donc je sélectionne l'outil cadre là. Je vais d'abord prendre là, ça m'embête. Donc j'ai pas pensé à écarter mes dessins, ça m'apprendra. C'est pas grave, je vais faire ça. Là, je vais supprimer, enfin gommer. Bon, je ne vais pas y arriver. Une petite gomme, donc je vais supprimer tout ça. Donc là, j'ai uniquement cette fleur-là. Je vais fichier, enregistrer sous. Je l'enregistre donc dans mon document de mes illustrations. Là, je vais noter, on va dire 1, comme ça, voilà, et je l'enregistre en PNG. Ok, après, une fois que c'est terminé, je reviens en arrière, encore en arrière, et je récupère ma feuille. Et en fait, j'ai tous les sélectionnés un par un pour les enregistrer, mais séparément, de façon à pouvoir faire mes petits stickers après. Donc là, c'est toute cette partie qui m'intéresse. Hop, l'outil gomme. Ça, là on a l'air pas mal du tout.
enregistré sous, et là je vais l'appeler 2 en PNG. Je reviens derrière. Hop. Donc mon logiciel Silhouette est ouvert. Je vais venir ouvrir mes fichiers. Donc on va prendre déjà celui-ci. Ouais, vous le voyez. Donc il est là et on voit bien que il est totalement transparent en dessous. Donc il est bien en PNG. Donc je le mets là. Je sélectionne mon contour. Je vais sélectionner donc la zone de vectorisation. Check. Ensuite, j'augmente le seuil pour qu'il soit bien opaque. Voilà, et je vectorise le contour extérieur. Là, je vais le doubler. Je vais venir prendre tout ce qui ne me plaît pas. Donc là, je vois, j'ai encore des trous dedans en fait. Vous n'allez pas bien les voir. Je vous ferai des vidéos spéciales sur ça, si ça vous dit. C'est plus pour vous expliquer. Donc là, j'en refais un. Et j'enlève, voilà, celui-là est complètement neutre, donc ceux-là je les retire. Je fais mon petit contour en noir, bon, ça sera découpé donc on ne verra pas, mais psychologiquement j'aime bien. Et voilà, est-ce que vous voyez bien? Je vais essayer de vous zoomer ça. Vous voyez bien le contour noir qu'il y a autour? Ben en fait, ma machine elle découpera tout ce tour-là, et ça, ça sera imprimé. Donc une fois que c'est fait, je groupe. Et j'ai un stickers. J'aurais pu qu'à le redimensionner de la taille que je veux. Et je vais faire ça pour tous mes stickers. Voilà. Donc hop. Hop. Là, j'augmente le seuil. Hop. Je mets en noir, hop, je mets ça dedans, je me positionne bien, je groupe, ça je supprime, et maintenant ça je le coupe et je colle sur ma première feuille. Voilà, comme ça je vais mettre tous mes stickers ici et après je les dimensionnerai au moment voulu. Hop, celle-ci. On sélectionne la zone de vectorisation. Hop, j'augmente le seuil, je fais contour, j'agrandis. Et là, alors là, j'ai pas forcément envie d'agrandir de comme l'autre tout à l'heure, donc je vais cliquer dessus et supprimer ces points, supprimer le point, supprimer, supprimer. Et la tablette graphique elle est hyper utile pour Silhouette notamment. Et voilà, j'ai supprimé les petits trous qu'il y avait, le trou qu'il y avait dedans. Du coup oui, j'ai agrandi comme une année. Ah, c'est malin ça. Ouais, ça a l'air d'aller. Ouais. Donc, hop, en noir, on met ça dedans. Quand on est content, on groupe le tout. Donc, le fait de grouper, maintenant, ça fait plus qu'une pièce. Et je l'importe sur ma feuille numéro 1. Hop. Et voilà, ma planche de stickers est faite. J'ai plus qu'à l'enregistrer et puis... à tester les découpes prochainement, je l'espère. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu comment je fais mes stickers. Là pour le coup je peux pas tester l'impression parce que mon imprimante est en panne. Il faut que je l'emmène elle est encore garantie, donc il faut que je la ramène. Et je vais faire ça incessamment sous peu dans la semaine. Et ensuite il faut que j'attende 10 jours avant de la recevoir. Donc tant que je l'ai pas, je peux pas. Je suis désolée pour ce bruit désagréable.
que fait mon siège. Ce n'est plus rien. Ceci dit, voilà, j'avais très envie de vous montrer un petit peu pourquoi j'avais pris une tablette. Et bien en fait, c'est pour ça. Voilà, ça me permet de faire mes designs et c'est beaucoup plus pratique de travailler avec le stylo, même sur silhouette, parce que du coup, c'est plus facile qu'avec la souris, c'est plus instinctif. Et c'est pour ça que je voulais, voilà. Donc je suis très contente de mon achat, qui est un super bon rapport qualité-prix. Franchement, si vous recherchez une bonne tablette graphique, alors je parle de tablette graphique vraiment avec un écran tactile, etc. Après, il en existe un peu moins cher. Toujours c'est XP-Pen, mais plus petite. Ce n'est pas un partenariat, je l'ai acheté. Mais moi je voulais vraiment la 22 pouces parce que pour moi c'était d'une manière ou d'une autre j'étais obligée de la brancher sur mon ordinateur. Donc je me suis dit quitte à la brancher sur mon PC, autant qu'elle me serve d'écran annexement. Alors ce qu'il faut savoir par contre c'est que quand vous la mettez debout, le pied en fait à l'arrière prend énormément de place. Ce qui veut dire que je vais vous montrer. Voilà, là je suis au maximum. Vous voyez par rapport à l'autre, l'autre c'est quasiment contre le mur et celle-ci pas du tout. Donc ça c'est bon aussi à prendre en compte. J'ai quand même de quoi mettre mon clavier, mais pas plus. Et mon bureau c'était un plan de travail. Donc pour vous donner un petit peu un ordre d'idée en termes de place, une fois l'écran mis. Donc ça c'est à prendre en compte aussi parce que c'est vrai que les personnes qui ne le savent pas, ils disent on va s'en servir comme écran et finalement on ne peut pas le mettre contre le mur puisque ça pivote et que derrière, bah, quand il est droite, il y a quand même long de pied. Mais... moi, je suis pas du tout mécontente. Au contraire. Donc, voilà. Donc, c'est tout pour ce studio vlog. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous en souhaitez d'autres. Parce que je fais beaucoup de choses dans mon atelier. Je fais pas que de la couture et des illustrations. Vous vous en doutez bien. Ceci étant, je ne peux pas tout vous montrer sur un seul studio vlog. Sinon, ça serait beaucoup trop long. Et à ça, vous vous doutez bien qu'il y a de l'accéléré. Donc en fait, j'ai passé plusieurs heures là, alors que vous, c'est passé... voilà. Donc, eh bien, c'est tout. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite dans un prochain studio vlog. Ciao !